25 janvier 1987, sur la montagne Mongowalou au sud de Kibosigar en République du Congo-Brazzaville, et sous le feuillage des arbres de la forêt, le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Lofoy Sétikwabou, a rassemblé le peuple de la Deuxième Nation en vue d'une cérémonie de prestation de serment. La fête est grande et belle. La joie des cœurs traduite par la grande louange à l'éternel OPH Sébaoth donne un cachet particulier à la cérémonie. Des grands enseignements à la dimension de l'événement sont donnés par le grand maître de l'OPH. Parmi ces enseignements, nous pouvons compter ne pas faire le mal sous toutes ses formes, la biéramicine, la nécessité de pardon, la mort, les sacrifices et bien d'autres. Tout cela agrémenté par les sons de la musique et des chansons de la grande chorale internationale de l'association Le Zolo Amour OPH, orchestrée par le frère Lévin Zingui, dit Roi David. Frères et sœurs en Christ du Congo et du monde, vivant en images et en paroles, le premier enseignement que donne le grand maître de l'OPH Guy-Émile Lofoy Sétikwabou aux nouveaux membres sur le thème « Ne pas faire le mal sous toutes ses formes ». Ce n'est que les hommes ont mauvaise foi. Je n'ai jamais été dangereux. Jamais je serai dangereux. Parce que j'ai une loi. Ne faites pas le mal à sous toutes les formes. Pour qu'elle ne s'en vende, n'est-ce pas? Ne fomentez pas les choses, c'est un péché. Je l'ai toujours dit ici depuis ce matin que chacun partira d'ici. C'est là où il y a tout. Nous avons lu l'avare est l'homme riche. L'homme riche dira à Abraham, envoie-moi Lazare, il devient qui sait. Est-ce qu'ici Lazare était un ami de riche? Non. Si nous prenons cet exemple-là, c'est pour nous rafraîchir les mémoires que ce que nous faisons. Parce que c'est un travail, c'est vrai, mais il faut le faire. Parce que nous mettons la maman. Si nous avons menti, vous voyez que quand quatre fois nous avons dit, Dieu peut donner l'idée. On te met quelque part. Parce que vous avez mal de travailler. Vous n'avez pas de maman. Dieu de maman, vous ne m'aimez pas. Ce n'est pas parce qu'on est chef, non. Il y a le plus grand chef qui est Dieu. C'est que nous sommes, c'est ce que nous récoltons. Ah, les gens ne veulent pas. Ah, ce monde-là, non. Parce que nous sommes bandaka, dans le maison de nord, je suis un mauvais travailleur. Si vous êtes la cour, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes d'accord? Oui. Oh, maman, quand tu m'aimes, le camoufle, non. Bête, ça, là, tu sais, le poisson, bête, mais vous avez d'ailleurs. Mais bête, je te veux, maman, vous y en a d'autres, mais tu as lavé. Et bête, vous y en a d'autres, mais maman, vous voyez. C'est une série, non? Je m'arrête pas là. Je me pose dans mon lèvre. Je me demande la moune si j'ai mal parlé. Mais ça m'a causé la bonne vie. Je me dis, ma couleur en Zambi, ne faites pas le mal sous toutes les formes. Au prochain. Ne jugez pas, mais vous avez le devoir de répéter. À vous, oui. Et nous...
Demander à ce que tu
puisse venir en aide, accorder à ce frère et sœur membre qui ont accepté librement la mission pour apporter partout la paix, la joie et les bons conseils. Seigneur, protège-leur, donne-leur tous les bienfaits. Bonifier leurs activités productives, leurs activités intellectuelles et leurs activités spirituelles. Tu es un Dieu vivant, un Dieu vrai, un Dieu de paix, un Dieu de joie, de la joie. Accorde-leur la joie, maintenant et à jamais. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Et amenez les gros chefs quelque part comme d'habitude. Après cet enseignement capital sur la nécessité d'abandonner le mal, le grand maître de l'OPH donne à chaque nouveau membre sa dose de biéramycine. Une façon à lui, et alors à lui seul, de transmettre l'impandu ou miracle aux futurs porteurs de lumière. Beaucoup peuvent s'interroger sur la portée spirituelle de la bière que donne Guy Émile Loufoy Sitikwabo aux frères et sœurs de l'ASLA OPH pendant les dambages. À ce sujet, frères et sœurs, nous vous invitons de méditer les passages bibliques de 1 Timothée 5, verset 23 et du psaume 104, verset 15. Donner la bière pour Guy Émile Loufoy Sitikwabo fait partie de sa mission. Yeah.
Frères et sœurs, en matière de spiritualité, il n'y a pas de grandes ni de petites âmes. Toutes les âmes se valent. C'est pourquoi même des petits-enfants peuvent devenir membres de l'OPH. À ce titre, il convient de les présenter à Dieu pour leur protection et leur développement spirituel. C'est ce que firent Marie et Joseph pour l'enfant Jésus et que nous pouvons lire dans le chapitre de l'Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 21 à 24. Le grand maître Guy-Émile Lufa Sétikwabo, en sa qualité de sacrificateur universel selon l'ordre de Melchisédek, présente ses petits-enfants devenus membres de l'OPH à l'Éternel Dieu. Maintenant, les membres, les nouveaux membres, les tout petits enfants, Thank you.
Amen. 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 Que le Seigneur soit avec vous. Bénis-le.
Fini avec la présentation des enfants, le tour revient au bureau de la section communale de Pointe-Noire et de la sous-section Jeanne Vial, section de l'association Louzolo Amour au PH. Frères et sœurs en Christ, dans les Écritures de Actes 20, verset 28, Paul exhorte les anciens d'Éphèse à veiller sur le troupeau que Dieu leur a confié. Le même souci préoccupe Guy-Émile Lefoy Sétikwabo, grand maître de l'OPH. C'est à ce titre qu'il présente à Dieu les bureaux de la section communale de Pointe-Noire et de la sous-section Jeanne Vial, section et sous-section de l'association Louzolo Amour OPH. Ces bureaux sont chargés de coordonner et d'orienter l'activité spirituelle des frères et sœurs. La joie du grand maître Guy-Émile Lefoy Sétikwabo ici est très très remarquable. Car pour transmettre l'impandu ou miracle, dit-il, il faut d'abord être dans la grande joie. Un chant, mon ami, un chant, chaud, chaud, chaud. Et la rue, c'est sur le bleu.
Bango ya la bana na ngai ni ngana ya la mokungi kwenye ya bango.
Je suis rien devant Baba Dioso. Je suis rien devant toi, Seigneur. Mais ce qui m'a été confié m'oblige à représenter le Congo et Panayo. Parce que je suis un combat, il y a un combat, Baninga.
Cette grande joie du grand maître au cours de la présentation des bureaux et pour apaiser les interrogations des frères et sœurs sur la nouvelle triste du décès de la sœur présidente de la section ASLA OPH de Kibwende, le grand maître Guy-Émile Fastikwabo profite de donner un enseignement sur la mort. De la sœur Germaine. Nous avons fait ce qui était de notre devoir, mais nos pensées ne sont pas les pensées du jeu. Je sais pourquoi il y a eu ça. Puisque même du mandat président Yabeto, président Yabeto, le président président m'a dit l'enterrement aura lieu, je crois, le mardi. Je m'assois.
Frères et sœurs en Christ, la Bible nous déclare dans Matthieu 5, verset 23, ce qui suit. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Le grand maître insiste sur cet enseignement. Yeah.
mipasho mingi. Si mungu ngrame, tunjotu muke tana luzuli. Ina muke chalange, muke chalakwa ninge ishima hindi ipo musalayuru. Ndaonga. Wasa. Mume kutulani njani mukano tik, soke jete padwa. Ndaonga. Wasa. Inge kanisa imi na mpangi imi yangeke kutukula ngu. Ndaonga. Wasa. Kena lwe de lejualite. Les sacrifices, encore les sacrifices, toujours les sacrifices. Un sujet qui fait couler tant d'encre et de salive. Et pourtant, les Écritures saintes, dans le psaume 50, versets 5 à 7, Marc 1, versets 40 à 45, Luc 2, versets 21 à 24, Acte 21, versets 17 à 26, Acte 26, versets 17, nous en parlent largement et clairement. Pourquoi alors doutons-nous? Le grand maître Guy-Émile Lufoa Sitikwabo nous fait vivre. Un membre de l'EPH Fouyandizaga, votre côté de Tokatukaka, votre côté de Tokuma, votre côté de Tokuma, 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 de c'est pas vrai. Qui travaille ici, qui ne connaît pas son patron, je ne sais pas si Baké. Donc, maintenant, là, vous êtes appelé
Le grand chef et les membres confirmés, les beaucoup de parlants vont se mettre pour les encadrer. Et parce que pourtant Jésus a été crucifié pour notre péché, mais pour se payer encore les sacrifices de purification. Beaucoup le disent. Et pourtant, Jésus a été crucifié pour nos péchés. Mais pourquoi nous payons les sacrifices de purification? Il y a des questions comme ça. Moi, je vais poser une question. Il dit, il y a des gens qui ont dit, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les prêtres vous demandent quelque chose? Ça c'est que je ne sais pas moi. Ce que j'avais écouté dans une des cassettes. Mais Jésus avait guéri un lépreux. Marc 1, versets 40 à 45. Jésus guérit un lépreux. Un lépreux s'approche de lui. Il le supplie et tombe à genoux en lui disant, si tu le veux, tu peux me purifier. Puis de pitié, Jésus étendit la main et le toucha. Il lui dit, je le veux, sois purifié. À l'instant, la lèpre le quitta et il fut purifié. S'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt. Il lui dit, garde-toi de rien dire à personne. Mais va te montrer au prêtre et offre pour la purification ce que Moïse a prescrit. Ils auront là un témoignage. Écoutez, il dit, je le veux, sois pur. Ça, c'est qui dira ça, c'est Jésus. Mais va te montrer à un prêtre, à un membre de quoi? Le sacrifice de purification. Mais qui a dit ça? Jésus. Qui sommes-nous, nous? Beaucoup parlent beaucoup plus de sacrifice de purification. Et le sacrifice de purification vous donne l'assurance, la protection. Il vous lave, il vous fait nettoyer tous les mâles commis depuis la naissance. Si vous m'allez, il y a le premier, il y a le deuxième qui est dans ma langue, qui est dans la langue. Il y a un caca, il va signer le contrat dans la langue. Et plus que vous m'allez, plus que vous faites avant moi, mais c'est pas vrai. Est-ce que c'est comme ça chez nous? Non. Oh, pour passer le membre, il faut beaucoup d'argent. Mais, Nganga, si je veux la vendre à Nganga, je vais vous dire parce que je vais vous demander à demander à Nganga, Nganga, quel vendeur va que je vais vous demander à Nganga? Non, non. Vous m'avez pris à quoi? Je vais vous demander à Nganga. Nganga, qu'est-ce que c'est ça? Quel que demande que bambou ya kusalisa, c'est pas vrai. Mais si nous sommes dans nganga ti, nous sommes au Rwanda, la bambou fasongo. Nganga que peut-être quoi nous dire bamba? Si qui est que zone? Na bête si nous sommes au Rwanda, parce que nous ne peut pas se bambou, nous ne peut pas se babatu, nous ne peut pas se banane, c'est pas vrai. Mais na bête ni que pisa, mbongo une bonne fois pour tout le petit petit. Mon gang, que vous te filangez d'une façon ou d'une autre. Mais que vous avez dit ça, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça grave. Il y a quelqu'un qui a monté dans la mousse. Mais si on vous avance rapidement, puis que vous ne pouvez pas faire ça, c'est fou. Mais les gens me calomnient de tout, il est devenu gros, il a comme ceci, il a comme cela, il a tout. Vraiment, et maintenant là, c'est l'ancêtre de l'Union qui prête seulement. Mais écoute, j'ai pas 20 millions. Moi, que prête
Qu'est-ce que je vais faire là? Est-ce que dans le milieu... Jésus, pour être présenté au Seigneur, les parents, Joseph et Marie, avaient donné les sacrifices. À l'époque, c'était des pigeons. Ou des frères. Ça, c'est Jésus. C'est la loi de nous. De Moïse. Donc, qui sommes-nous, nous, pour avoir ce même privilège, pour essayer d'écarter cette loi-là? Si Dieu ne l'a pas écarté, si les parents de Jésus étaient possible de dire non, nous ne pouvons pas parce que c'est d'après Dieu. Mais la loi, elle condamne même celui qui est quoi là? Qui l'établit. Qui l'établit. C'est pas vrai? Si. Au nom de la loi, on vous fait quoi? On vous punit. Jésus, puisque c'est lui qui a envoyé, c'est lui, en Moïse. Parce que bon, à l'époque, c'était l'Éternel Dieu, bon, les gens racontaient Moïse avec tous les bâtiments, les bâtiments. L'enfant Jésus est venu se faire voir en chair et en os. Dans les ondes, avec les ondes, où il y a Jésus, il y a un de la bête. Il y a un de la baba la bête. Il y a un de la baba la baba la bête. Il y a un de la baba la bête. Il y a un de la. Est-ce que Israël, qu'est-ce que c'est? Oui. Mais tu sais quoi, avec quelqu'un qui a une guerre, il y a quelqu'un qui s'est fait Jésus qui vous. Vraiment bien de vous, je peux pas aller loin. Si nous maisons là, nous sommes là-bas un sacrifice parce que le plus souvent, moi je crois, enfin, bien de vous, moi je crois. Mais ma zone de vendeur dans le Benakat, il y a une zone où il y a quelqu'un qui m'a patrie, il y a un diable. Mais il y a un sacrifice de purification, il y a un diable, mais quoi là? Et demain matin, vous dites, oh mon âge, enfin. Est-ce que vous nous donnez la bête pour tout ça, bon, 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 bon. Nous, pour quel nous t'avons fait? Attends un zambio, attends le diable, mais si il n'y a pas de. Je serai un accusé. Je le bambou, c'est un bambou, Wangana. Votre question de salaire. Si l'on doit, est-ce que vous avez. J'aimerais pas le voir, mais bon. Mais tu nous as pas vu l'autrement. C'est pas vrai. Voilà pourquoi, pour quel nous t'avons, je serai là. Nikuna, mais tout qu'un zaba, quelle est la vérité de ce que nous faisons? Si je m'en, même que tu la moune, moune, c'est moune que tu la bête. Il n'y a qu'un yanda, yandila. Il n'y a qu'un kato pas yandika. Maman, mounda, dans laquelle quoi de mi? Mais qui le moune, l'amène pas de mi, mon dossier ne veut plus. Qui le serait tiré lui? On n'invite personne. Et nous ne voulons pas faire le mal à qui que ce soit. Notre organisation, est à la veille d'Inamou. Nous avons une loi primordiale. Que c'est à la veille d'Inamou. C'est ça la loi. C'est la loi de la dualité. Voilà pourquoi, oh voilà, il y a ceci, ah il y a cela, ah nous allons qui manifestent là-bas. Non. Notre Dieu n'a jamais demandé de paix. Mais c'est que nous sommes nous-mêmes. Hier, on était un peu malheureux, hier, on ne travaillait pas, hier, on ne dormait pas, hier, il y avait les mamans quasi qui nous pourchassaient les services, les gros cajards. Vous payez vos sacrifices. On est devenus comme ceci, comme cela. Je dis, écoutez, je ne sais pas comment je cherche. Mais, j'ai fait un service, que peut-être qu'on a un avertissement, il y a des moments où on ne peut plus manger. C'est pas vrai. C'est vrai. On ne mange pas, parce que vous allez se faire. Mais, combien de fois un Dieu qui vous a créé? On s'en fout plus. Mais un chef du service qui est comme vous, mais vous pouvez aller à passer côté, lui demander pardon, c'est une personne, il vous comprendra. C'est pas vrai.
Hey,
une question de gros chef. Non, là. Ça, je suffis. Malène, malène. Non, là. Frères et sœurs en Christ, nous venons de vivre 20 ans en arrière les enseignements du grand maître Guy-Émile Loufoy Sétikwabo de l'OPH. Car depuis 1988, sur instruction de l'éternel OPH Sébaroth Yahvé le Tout-Puissant, le grand maître de l'OPH ne devrait plus être en contact face à face avec les humains de la terre. Il a été retiré pour une longue période de méditation au profit de l'humanité tout entière. Après donc sa dernière apparition sur la montagne Mungu Wa Lu en 1988, celle-ci fut maudite par Dieu et abandonnée à la suite d'un mauvais comportement des frères et sœurs au cours de la fête de Pentecôte 1988. Une autre montagne, le mont Karikari, fut choisi et désigné par Dieu comme son nouveau temple. Le 20 mai 1992, l'étoile de Bethléem, l'étoile de David, celle qui guida les trois rois mages lors de la naissance de Jésus, vint s'implanter définitivement sur cette montagne, le mont Karikari, de 20h à 3h du matin. Guy-Émile Loufoy Sétikwabo, grand maître de l'OPH, missionné du Christ Jésus, sera l'accusé répondu. Il sera là présent et rendra compte de toutes les âmes des humains de la terre. Cette montagne fut ouverte au public du monde entier les 23, 24 et 25 décembre 1995. Blancs et noirs furent rassemblés à cette occasion. Ces belles images qui vous sont proposées en témoignent largement. Ils vous sont aussi donnés en avant-goût de notre prochain clip qui portera exclusivement sur les vérités divines de l'heure
Frères et sœurs, Seti Kassa Raoul Mal Production est à votre service.